Bonjour à tous. Nous avons passé une super nuit sur des lits bien douillés, au calme. Ce matin, petit déjeuner avec Lynn et Paul. De bons petits déjeuners aussi qui vont nous tenir au corps pour marcher. On est parti pour faire quelques courses. On va essayer de retrouver Nanou qui apparemment est sur... Voilà, le fourgon est passé. Qui apparemment est sur Grand Lamps pour lui faire un petit coucou, de grosses bises ou un grand coucou et des petites bises, mais alors plusieurs. Voilà, allez, à plus tard. Sur le chemin je fais des rêves, tandis que la marche s'achève, que la douleur gêne mes joues. Je cherche un gîte pour le repos, me soulager du sac à dos, de la peine et des cailloux. Je pense à toi. Elle est tout simplement magnifique. Ouais. Ah oui, j'ai adoré. Ah super. Avec des œillets, des jeux. Ouais. Aussi. Je mettrai l'intégrale de l'enregistrement de ce monsieur sur mon autre chaîne. Ouais. Alors tu ne l'aurais pas dit, je t'aurais mis un message, pense à Iscréart parce que ça vaut le coup pour ça. Parce que c'est. Ouais. Et hier soir. Je pense à nous. Je pense à moi. Je pense à toi. Sur le chemin de Compostelle, les pèlerins restent fidèles à la légende de Saint-Cadou. Celle qui raconte que des étoiles et le mystère du Saint-Graal. Nous quittons Grand Lamps et nous venons de retrouver la Via Gebenensis, plus communément appelée GR65. Nous venons enfin de l'attraper, ce GR, et nous nous dirigeons en direction de Genève. Donc si vous voulez nous voir, nous rencontrer, ou voilà, plein de choses, ce que vous voulez, vous allez pouvoir nous suivre et savoir à peu près où on est sur ce GR. Bisous à tous. Francis essaie de parler en montant, en tirant Wilson. Je vous dis pas l'effort qu'il va faire. D'autant plus qu'on a fait nos courses pour aujourd'hui et demain. Allez, hop, je marche à reculons. Il faut que je me retourne. Je pense à toi. Je pense à nous. Je pense à moi, je pense à toi. Je ne sais pas si c'est mon âme, certains disent la flamme qui me permet de rester debout. Comme les hommes, comme les femmes qui foulent la terre et qui la damnent en se privant de presque tout. Je pense. Voilà, Gina est en train de monter la dure côte là. Elle souffrait beaucoup, mais elle est très courageuse. Elle fait tout ça pour les enfants, pour récolter des dons. Et moi, je dis chapeau. Alors, pensez aux enfants. Allez, voilà. Gina. Allez, Gina. Allez. Allez. On y va. Je pense à nous. Je pense à moi. Je pense à tout. Chacun marche pour son histoire, pour une douleur, pour un espoir, pour une foi ou rien du tout. Chacun porte son bagage, son mal de dos en héritage, c'est le chemin qui rêve tout.
je pense à toi. Je pense à nous. Je pense à moi. Je pense à toi. Je surveille mon binôme. Je pense à nous, je pense à moi, je pense à nous. Grand sourire pour nos abonnés. Même pas mal, même pas peur. Ah, c'est surtout que ça glisse. Oui, il y a les cailloux, et ce sont des cailloux ronds. Et c'est humide, il y a des feuilles. Il y a plu hier. Ouais, c'est vrai que la nuit. Sinon, ça va, c'est pas. On a de la chance, il ne pleut pas. Oui, c'est ça. Voilà, on a toujours de la chance. Heureusement. Jusqu'à présent. Allez, je range le matériel et je monte. Et moi, je vois le JR sur un arbre. Suivant la longue métamorphose qui m'éloigne de mon passé, j'ai croisé une rose qui ne pouvait pas avancer. Pas qu'elle n'ose pas la chose, mais n'y avait jamais pensé. Depuis toujours tenant la pose quand les regards l'éclaboussaient. Elle a la couleur de l'amour, bien que je ne l'ai jamais croisée. Bien qu'à la lumière du jour, les fleurs sont toutes belles à crever. Coucou. Ouais, tu viens? Mais ouais, il y a les autres au fond. C'est toi le curieux, hein? Ben oui. Alors j'ai mis la route en pause, à ses côtés me suis posé. Puisque cette rose semblait mon rose d'être seul au jour achevé. Ma rose, ma rose, ma rose, ma rose, écoute mes murmures. Ma rose, ma rose, ma rose, ma rose, tu peux être sûr que tu ne seras plus jamais seul. Bonjour. Tu viens? Oh là là. Bonjour, oui, à la boîte. Bonjour. Un gros chien de garde. Viens, Chanel. Coucou. Non, oui, oui. Merci, Mylène. Belle rencontre encore. Sur notre chemin. Allez, bisous. On va repartir. Et, ça va partir, mais et c'est par là. On a eu droit au petit l'échouillage de Chanel. Chanel et Charlie. Franchir les murs, il y a de la place sur mon épaule pour une rose et son armure. Suivant la course du soleil avec nos yeux fatigués. On s'est raconté nos merveilles et nos tristesses irriguées. On n'avait pas grand chose à faire, alors on s'est allongé. Avec ma rose, j'ai fait la guerre à mon envie de voyager. Mais au matin, la route appelle, alors je lui ai proposé. Si elle osait me faire l'honneur d'avancer à mes côtés. Même si ton armure est trop lourde, bien qu'elle t'ait toujours protégée, sache que la vie est sourde quand elle ne doit pas nous blesser. Ma rose, ma rose, ma rose, ma rose, écoute mes murmures. Ma rose, ma rose, ma rose, ma rose, tu peux être sûr que tu ne seras plus jamais seul pour franchir les murs. Il y a de la place sur mon épaule pour une rose et son armure. Traversant tous les bruits du monde avec ma fleur à mes côtés. Me nourrissant à chaque seconde de sa douceur et sa beauté. J'ai croisé un ruisseau immonde qui a cru bon de refléter l'image d'un monstre aux plaies profondes, un guerrier triste et abîmé. Comment ma rose peut-tu... Bonjour. Bonjour. Oh oui, t'es venu nous voir de suite, de suite. Dès que tu nous as aperçus, hein. Ah oui. Eh bien, tu m'as fait Oui, voilà, c'est mieux, hein.
Mais non, tu vas pas manger mon téléphone quand même. Eh, dis, tu es beau. Qu'est-ce que tu es beau alors? Ouais. Je reviens, ma petite Caline. Ne bouge pas, Caline. Bonjour, Caline. Voilà. Oh oui. Tu es toute mignonne, hein? Alors, comme ça, t'as mal au sabot. T'es blessée. Hein? Ouais. Là. Ouais. Allez, je te laisse, je m'en vais manger. Voilà. Et bien, donc ici, bienvenue, vous êtes à Auyeux, donc dans le département de l'Isère. C'est Auyeux ici? Auyeux. Ah, d'accord. Auyeux. Enfin, ah, oui. Blonne, c'est d'accord. Un lieu-dit qui fait partie de la commune d'Auyeux. Et vous êtes juste à côté d'un bâtiment qui appartenait aux moines chartreux. Ah. Et qui s'appelle donc la grange dîmière. Donc, quand les moines récoltaient la dîme, ils stockaient en fait toute leur récolte dans cette grange. D'accord. Qui a une hauteur de plafond, je ne sais plus d'ailleurs combien de mètres. On va y passer à côté, vous allez passer, je pense, juste à côté. Mmh. Et donc, c'était un endroit très agréable. On pourra peut-être prendre des photos, vidéos. De, voilà, sans y rentrer. Elle sera pas ouverte, ouais. mais de l'extérieur en moins. Ouais. Ah, mais merci. Alors moi, je tiens à remercier Sabrina qui nous a accueillis pour, qui nous a permis de nous asseoir parce qu'on cherchait un coin pour s'asseoir, n'est-ce pas, Francis? Oui. Et moi, j'avais besoin de me déchausser, donc je me suis déchaussée parce que j'avais très très mal aux pieds. J'ai toujours mal aux pieds. Dès que j'avale 10 km, on ne les a pas fait en plus. Voilà, et ça m'a fait beaucoup de bien et puis je vous remercie. Je te remercie sur le chemin, on se tutoie. Je te remercie pour ton accueil, le café, regardez ça. Eh, même du chocolat. À la menthe. À la menthe. Et un bon café. Je l'ai fini. Merci. Et donc, moi, je vous dirais aussi que je suis enchantée en japonais. Alors, hashimemashite, dozo yoroshiku onegai shimasu. Oh là là. Voilà, je suis ravie de vous avoir fait votre connaissance aussi. Ah, ben, merci. Ah, merci. Ah, c'est super, ça. Donc, on va dire ja mata ou matane. Matane, c'est à plus tard. Ou alors, quand on risque de ne plus voir, c'est sayonara. Sayonara. Alors, sayonara. Sayonara. Pour nous, oui. Mais merci, merci Sabrina. Comment? Vous avez chargé? Ah oui, on fait le tour de France, à pied en bivouac. Ah. Oui, oui. Pareil au fond, c'est ta splendeur. Et comment puis-je réussir à oublier quelle fut l'erreur de t'arracher à ton jardin à cause d'un vide dans mon cœur? Mais elle m'arrête puis m'embrasse, ma roserie. Elles sont toutes après Wilson. Elles sont curieuses. Oh, les curieuses. Alors, je ne sais pas quelles ont contre moi, mais elles me suivent toutes. Contre, non, avec toi. Elles se disent, ça y est, on a notre repas qui est là. Eh ben dites donc, regarde ça, elles sont toutes ici. Eh ben. Allez, au revoir les petites vaches. Et moi je pleure, ma rose, ma rose, ma rose, ma rose, écoute mes murmures. Ma rose, ma rose, ma rose, ma rose. Alors Gina se régale aujourd'hui. L'étape, elle est tout simplement magnifique. Maintenant je suis sûr que je ne serai plus jamais seul pour franchir les murs. Il y a de la place sur mon épaule pour une rose et son armure. Ma rose, ma rose, ma rose, ma rose, que ça peut être dur. Ma rose, ma rose, ma rose, ma rose, depuis que ma vie dure. Je n'avais jamais eu personne pour guérir mes blessures. Jusqu'à ce qu'un jour une rose vienne se poser sur mon armure. Garnedo se va da bondo, sempre ne ho volestero, ma son sicuro dall'altro mondo, io mi porterà da sé. Et oui, nous sommes sur le GR65, sur un chemin de Compostelle. Nous avons croisé toute la journée des pèlerins qui partaient vers Compostelle, nous avons beaucoup échangé.
Avec Francis, ça a été une journée qui a été très particulière puisque nous étions à contresens. Mais en parlant avec les uns et les autres, ça a fait remonter beaucoup, beaucoup de souvenirs de nos chemins à nous deux, chacun son chemin, mais des souvenirs qui font remonter énormément d'émotions. Nous sommes arrivés à Le Pin, nous avons cherché à trouver à dormir, nous avons trouvé, nous sommes à l'abri. S'il pleut, eh bien, on est à l'abri. Nous sommes allés dans cette église qui, elle aussi, a été particulière pour moi, car ces émotions que j'ai eues tout au long de la journée sont sorties ce soir. Ça m'a fait du bien, c'était bien. Et maintenant, je pense que nous allons passer une très très bonne nuit. Nous allons dormir, nous reposer. Nous en avons besoin parce que demain, une journée encore nous attend avec nous avons de la montagne. Mais ce compte à rebours, on va dire, face aux pèlerins, c'est incroyable, c'est bizarre. Ce chemin, il est très très bizarre, comme beaucoup de chemins de Compostelle qui nous apportent beaucoup de choses, beaucoup des échanges formidables, des belles rencontres. Et c'est vrai que ça continue, quoi. Je vous souhaite à tous une bonne soirée, une bonne nuit. Je vous dis à demain. À demain. Et comme d'habitude, bisous, bisous. Je vais là-bas revoir mon père, fini pour moi de cheminer à l'autre bord de la rivière, maison à moi, je